Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 14 novembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif et le plus fort, et celui que je nourrirai le plus. Alors aujourd'hui, bien, j'ai pigé le père de l'eau et hier c'était le père de feu. Donc hier, c'était tout ce qui était au niveau énergétique. Eh bien aujourd'hui, c'est tout ce qui est au niveau émotionnel. Parce que l'eau, c'est les émotions, n'est-ce pas? Et en plus, on voit les poissons là, sur la carte. Le père de l'eau. L'essence de cette carte, eh bien, c'est avoir du tact, savoir... un savoir intérieur, une capacité de pensée intuitive. Ça peut être aussi un talent artistique, avoir de la patience. Ça, c'est comme hier, hein, comme la carte d'hier. Et parfois, ça peut être clair et surtout, incompréhensible. Voilà. Parfois, peu clair, des situations peu claires et incompréhensibles. Le message intérieur, eh bien, on vous invite, pour certains d'entre vous, de suivre le tact. Suivez votre tact. Suivez votre, eh bien, savoir intérieur qui est souvent très subtil, même si pour certains d'entre vous, vous ne trouvez parfois pas de mots pour l'exprimer. Vous savez, un vrai savoir n'a pas besoin de mots. On peut très bien avoir du savoir sans dire un mot. C'est une erreur, n'est-ce pas ? De croire que seulement ce que l'on peut exprimer soit vrai. Alors, il faut chercher plus loin pour trouver la vérité. Le mystère, eh bien, qui nous entoure, tous est si insaisissable que nos moyens d'expression linguistique, très limités, souvent ne suffisent pas. On vous invite, eh bien, à vous faire confiance, à faire confiance maintenant à vos sentiments les plus profonds. Vous savez, ces sentiments, ils vous parlent plus clairement que tous les mots possibles. Maintenant, cette carte extérieure, elle manifeste, c'est pour votre pouvoir d'intuition que bon nombre de personnes estiment grandement votre conseil. Vous êtes très bonne conseillère. Il vous est possible, n'est-ce pas, d'utiliser, eh bien, cette capacité de façon positive dans votre vie extérieure ainsi que dans votre travail. Et vous avez, pour certains d'entre vous, un désir profond, mais vraiment profond, de partager avec les autres vos véritables sentiments et inspirations. Et c'est ainsi que ça pourrait contribuer au réconfort et à la guérison de certaines choses.
Très beau message, le perdon, tout ce qui est émotionnel, n'est-ce pas? Je termine avec l'oracle de l'évolution. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte? C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Mais c'est vrai, quand on ne sort pas de sa zone de confort, certaines personnes stagnent, ne progressent pas. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Eh bien voilà le message, c'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Allez, avec de la patience, vous allez y arriver. Voilà, très beau message, n'est-ce pas, de l'oracle de l'évolution, un très joli oracle, n'est-ce pas, avec 52 messages, eh bien, de cette magnifique personne qui est Aurore Rogier. Voilà, une très belle âme. Allez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.